Bah, de toute façon, on se retrouve tout seul sur un optimiste. Donc très vite, on se rend compte que bah, pour faire avancer le bateau, bah, on est son propre décisionnaire de choisir là où on va mener sa barque, où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on va tirer sur la voile ou la choquer. Quand on fait une petite compétition, bah, il faut prendre le départ, il faut faire le bon parcours dans le bon ordre, passer les bouées dans le bon ordre. Donc finalement, même si on peut être on s'entraîne avec d'autres jeunes, ou on a un entraîneur avant les courses, après quand on est sur la compétition d'elle-même, ben, on se retrouve confronté à soi-même. Et il n'y a pas de pause pendant la régate. Donc il faut, du départ à l'arrivée, ben, il faut gérer soi-même, son bateau, mais aussi la façon dont on le mène. Donc ça, c'est une, pour moi, c'est une bonne école, parce que ça permet d'apprendre des choses sur soi, de se confronter à des difficultés, d'aller atteindre certaines limites, de se rendre compte que certains font différemment et que finalement que c'est pas si mal et qu'au début bah, on ne gagne pas du premier coup. Ouais, la confrontation avec ses pairs, ou en tout cas les gens du même niveau, ou en tout cas qui bataillent pour la même place, que là on jouait la gagne, donc c'était vraiment la plus haute marge du podium. Ça nous fait dépasser nos limites, ça nous fait tenir encore plus que ce qu'on était tout seul, un petit peu à l'abri de la confrontation. Là on était quasiment à vue par moment sur le parcours, alors qu'on était parti depuis déjà un ou deux mois. On s'est alterné en tête de course quasiment jusqu'au Cap Horn. Donc jusqu'au bout, c'était quelque part celui qui allait craquer en dernier qui ferait que ben, la victoire se jouerait. Et c'est sûr que c'est important dans le monde de la compétition d'utiliser ces moments-là pour, sans être dans le... en respectant les règles, en étant avec ses armes et ses moyens, essayer de trouver des solutions pour faire face à l'adversité, pour être encore plus fort que l'autre et tenir, parce que montrer aussi qu'on est capable de tenir, même si c'est dur, même si... et on sait aussi justement ce qui nous a fait tenir, parce qu'on s'est expliqué, enfin on a pas mal échangé après la course, on se disait l'un et l'autre, enfin chacun dans son coin, sur son bateau, que l'autre devait souffrir aussi. Donc quelque part ça fait tenir mentalement, parce que c'est beaucoup dans la tête et que finalement voilà, ça se joue à pas grand chose. Mais voilà, au final, même s'il y avait pour moi une déception de ne pas gagner, parce que je finis à 3 heures derrière François après 78 jours de course, mais voilà, quelque part on avait tous les deux réussi quelque chose qu'on n'aurait sûrement pas réussi tout seul, en étant confronté au parcours, confronté à la même météo. Là, voilà, il n'y avait pas de pause, parce qu'en face, il y avait toujours quelque chose, quelqu'un surtout, qui nous remettait de la pression. Mais au final, voilà, quand on regarde le résultat, en tout cas la compétition en elle-même, elle était magnifique. Ouais, bien sûr, bah, il ne faut rien lâcher. C'est sûr qu'en mer... la course est tellement... la voile, c'est un sport, il y a tellement de paramètres. C'est un jeu d'échecs permanent. On joue avec la mer, la météo, le bateau, le marin, et tout ce qu'il y a autour d'inattendu. Fait que, voilà, à partir du moment où on prend le départ jusqu'à la ligne d'arrivée, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il peut se passer n'importe quoi. On a vu des concurrents, malheureusement, abandonner le Vendée Globe à quelques jours de l'arrivée. Certains perdent la course à quelques milles de l'arrivée. Donc oui, il ne faut rien lâcher tout le temps, parce que même si on est loin devant ou loin derrière, ce n'est pas pour ça que la course est gagnée ou perdue, et je le sais très bien. Donc notamment, un des enseignements qui était en 2012, quand je finis deuxième, c'est que quand je passais en tête de course, finalement, je me contentais d'être en tête de course, et finalement, ne pas forcément aller rajouter une couche, ou en tout cas remettre un coup d'accélérateur par rapport
à François pour essayer de faire le break. Je me disais, bah voilà, je suis repassé devant, donc c'est bon, je me rassurais par rapport à ça. Et finalement, on s'est un petit peu contenté l'un et l'autre comme ça. Et puis à la fin, bon, bah, François a été meilleur que moi. Mais quand je me suis retrouvé en 2016, 4 ans après, et quand j'ai pris la tête de course un petit peu après le Cap de Bonne-Espérance, bah, j'ai pas eu du tout cette. Je savais qu'il fallait pas rester dans cette façon de gérer la course. Il fallait à ce moment-là, au contraire, continuer à aller vite, continuer à attaquer, continuer à avancer pour creuser, parce que toute cette avance que j'allais accumuler me servirait pour la suite. Et la preuve, c'est que ça m'a servi parce que la fin était un peu compliquée. Ah bah, y a toujours des moments de doute, hein. Ça c'est sûr, hein. Sur un Vendée Globe, sur un Tour du Monde, on passe par des moments de doute sur sa stratégie, sur des choix météo qu'on peut faire à long terme. Des fois, on prend une option sur qui devrait marcher sur 4, 5, 6 jours. Quand on voit les classements, quand on regarde un peu les stratégies des autres, je pense que le doute est important pour savoir se remettre en question, pour savoir vérifier qu'on n'a pas oublié certaines choses. Et puis c'est là aussi finalement on reste concentré parce qu'on est voilà, on continue à être vigilant sur comment on fait fonctionner le bateau, comment on fait avancer. Et puis la stratégie, on continue à la maintenir. Et puis voilà, au final, bah, ça, en général, ça marche normalement. En tout cas, on réalise à peu près l'option qu'on avait voulu. Mais il faut éviter d'être dans la surconfiance ou dans d'être justement de pas du tout être optimiste, enfin d'être pessimiste dans ce qu'on est en train de faire. Parce que là, pour le coup, c'est pour moi, je pense que c'est le risque, c'est de changer sa stratégie en cours de route. Et là, c'est souvent l'erreur à faire parce que bah, on va faire un truc un peu au milieu qui va pas forcément marcher, enfin, qui ne marchera jamais. Et donc, on peut perdre beaucoup. Alors que finalement, bah, voilà, rester sur sa stratégie qu'on a décidée avec les choix qu'on a fait, bah, il faut aller jusqu'au bout et savoir accepter voilà, le résultat. Quand on est premier, il faut surtout pas voilà, s'emballer, il faut surtout pas commencer à s'imaginer en vainqueur parce que voilà, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut arriver. Donc, moi j'avance voilà, jour après jour, heure après heure, et manœuvre après manœuvre. Voilà, j'essaie de continuer à avancer comme un joueur de tennis qui va faire point par point, jeu par jeu, set par set. Quand on regarde un Nadal ou un Federer sur un cours de tennis, ils ne sont pas dans l'euphorie à chaque fois qu'ils gagnent un point, même s'ils sont contents d'un point difficile, mais voilà, ils savent que le match il n'est pas encore gagné. Quoi. Et en bateau, voilà, c'est comme dans plein de sports, il faut savoir attendre et être patient, persévérant. Et même si on est en tête, même si tout se passe bien, voilà, tant qu'on n'est pas à quelques milles de l'arrivée ou quelques centaines de mètres de l'arrivée, moi j'ai vraiment apprécié ou su que j'allais gagner Vendée Globe finalement à peine 2-3 heures avant l'arrivée. Mais les 74 jours à côté, je n'ai jamais me suis dit que j'allais gagner parce qu'il ne fallait surtout pas essayer de commencer à perdre le fil de cette concentration, de ces risques qui existent, même jusqu'au bout, parce qu'on sait que, notamment quand on arrive près de l'Europe au mois de janvier, février, il y a beaucoup de trafic maritime, il y a beaucoup de dangers potentiels et qu'on peut vite faire une bêtise. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que par rapport au fait que, bah, notamment quand on a un problème et qu'on ne veut pas forcément le montrer aux autres, on va plutôt dire que tout va bien. Et ceux qui ont tendance à un petit peu à montrer ou qui ont une difficulté, où on sent qu'ils sont un petit peu dans les limites, bah c'est là où effectivement il faut savoir, comme Bernard Hinault le faisait très bien, se dire bah là je vais remettre une couche, je vais appuyer un peu plus, entre guillemets je vais faire mal entre guillemets à mon adversaire parce que là il est dans le dur et là je vais lui montrer que je peux encore mettre un petit coup de pédalier supplémentaire et distancer et finalement faire craquer un petit peu mentalement son adversaire qui finalement ne pourrait finalement profiter s'il n'y avait pas cette attaque pour récupérer un peu et puis finalement derrière continuer à être performant. Très vite, les gens avec qui on travaille répondent présents, sont là pour d'abord
nous sauver parce qu'on a été récupérés, hein, et puis ensuite récupérer le bateau. Et puis il y a toute une ligne qui se met en place avec de la solidarité, des gens qui nous aident, qui apportent leur soutien. Et c'est là qu'on se dit très vite que ben, on peut pas lâcher, on peut pas abandonner le navire comme ça. Et donc il faut montrer aussi, et parce qu'on a envie, qu'on peut être présent, répondre présent pour être prêt aussi mentalement, physiquement, quand le bateau va renaviguer, même si ce ne sera pas en 15 jours, il faut un peu de temps pour réparer ce bateau. Donc on va remettre à l'eau début septembre, mais ce sera pour nous une autre histoire qu'on est en train de décrire. Ce sont des défis à... Pour moi, finalement, tout ce qu'on fait avec mon équipe depuis des années, à chaque fois, ce sont des montagnes à gravir. Alors, on a gravi la montagne du Vendée Globe, on a eu la chance, on est arrivé en premier là-haut. Mais la route du Rhum, là, on avait une montagne devant nous et finalement, on avait une voie relativement accessible. Là, on va passer par une autre voie, une autre face un peu plus nord, un peu plus compliquée, mais on peut y arriver. Maintenant, ça demande un autre timing, une autre préparation. Tout est possible et voilà, et il faut y croire et puis on travaille pour ça. Encore une fois, il faut gérer l'imprévu, quoi. Et puis, de toute façon, la vie est faite d'imprévus. Et ça, je le sais, et que ce soit sur les blessures, les casses, les virages, mais il y a aussi des victoires, il y a aussi des très bons moments. Donc, il faut accepter ça. Si on n'accepte pas ça, il faut faire autre chose.